C'est lancé, c'est lancé. Martin Ambara, le directeur artistique de l'espace Otni Laboratoire de théâtre de Yaoundé. Otni est né de la volonté d'un metteur en scène, du metteur en scène que je suis, d'avoir un lieu de répétition, un lieu d'exploration personnelle où sans attendre qu'on me le demande, sans attendre une subvention quelconque, on peut expérimenter le théâtre de manière performative. C'est-à-dire que travailler volontairement et librement avec des comédiens, travailler volontairement et librement avec des auteurs de théâtre, travailler volontairement et librement avec des scénographes pour devoir apporter à l'échiquier du théâtre camerounais ou africain une vision du théâtre qui soit concurrentielle par rapport à la vidéo, à la vision pardon, post-dramatique de la chose. C'est pour cela que depuis le 25 mars 2010, nous avons mis sur pied, nous avons acquis cette espèce de lieu comme lieu de performance, lieu de représentation, lieu d'expérimentation du théâtre. Voilà. Et depuis lors,
On a échangé avec beaucoup de metteurs en scène. On en a fait venir ici là au Cameroun. Je pense notamment au premier, au tout premier, Anne Paul Meyer, qui est venu de Londres travailler avec nous, et c'est un comédien camerounais. Je pense au Kind Collective avec Fabian Letov. Je pense à la suite que nous avons faite, à savoir que beaucoup de comédiens camerounais sont aussi allés expérimenter des choses à l'extérieur. Il y a d'ailleurs notamment une compagnie de Hambourg qui va arriver là jeudi. C'est la compagnie Ayuzon. Donc il y a eu des plateformes comme ça qui ont été tissées entre Cameroun et l'extérieur depuis l'ouverture de Otni. D'autre part, pour ce qui est du programme, que je peux décliner en quelques mots. 10 ans de la célébration et 10 ans d'Otni. Oui, 10 ans de la célébration, 10 ans qui est le moment anniversaire. Nous avons mis sur pied, n'est-ce pas, un programme qui se structure sur une espèce de triptyque. Formation, représentation, table ronde. On va discuter du théâtre au Cameroun, de la culture au Cameroun et de ce qu'elle représente, qu'elle a comme impact dans la culture même, dans la vie politique, socio-économique du Cameroun. On va discuter sur justement ce que c'est que l'esthétique au Cameroun. Et après, il y a des formations qui sont comme deuxième volet. Il y a des formations. Il y a une costumière allemande qui va venir pour animer un atelier sur le personnage et le costume. Au moment où je vous parle, il y a Aline Steiner, qui est la première habitante de Otni, justement, c'est comme ça qu'on va la nommer désormais, qui est en train de tenir un atelier, son deuxième ou troisième atelier ici au Cameroun, avec les comédiens que nous formons. Et après, il y a les représentations des pièces de théâtre. Il y a, par exemple, jeudi, sur les traces de Dieki, qui est une collaboration entre Otni, laboratoire de théâtre, et Fleur de Lotus. Le samedi, à l'Institut Goethe, il y a la pièce que nous avons performé en Allemagne avec rien que et exclusivement des artistes camerounais, qui est une réécriture d'une pièce de Heiner Müller qui s'appelle Hamlet Machine, que nous avons réécrit et réintitulé Hamlet Machine, Hamlet Machin. Le mercredi, il y a une troupe universitaire qui va jouer, une troupe de danse universitaire qui va prester ici là à Otni. Donc la semaine est jonchée justement par des représentations, des tables rondes et des formations. Mes chers hommes, mes enfants, savez-vous que mon Afrique a été forcée, esclavagée, martyrisée, violée, tyrannisée, manipulée, colonisée? Et peut-être vous avez déjà entendu parler des combattants contre le colonialisme. Ça a-t-il tout ma banane? Ça a eu tout le monde à revenir, une banane à revenir, une tonka à Afrique à la ils attendent coloniser. Une carrière au monde pour la carrière au camp, une carrière qui est opposée. Nous sommes en train de nous battre. Vous avez combattu contre la puissance française dans le pays actuel. Et vous êtes mort dans les captivités françaises en 1900. Samuel Touré, merci pour votre combat que vous avez mis avec votre cœur. Patrice Lumumba, vous avez été le premier ministre du Congo indépendant et vous êtes assassiné en 1961. Comme vous le dites, nous ne pillerons jamais le massacre dans les terres qui ont pris. Les prisons dans lesquelles on était jeté, ceux qui ne voulaient pas se soumettre sur un régime d'oppression et d'exploitation. Ça me dit, pas. Merci pour votre combat que vous avez fait. Nous, on ne mourra jamais.
let the entire world dance to the rhythm. But as we gather for Salut, je m'appelle Nimi Ndiaye et je suis une performante de la compagnie Ayusom d'Hambourg, de l'Allemagne. Et on a fait un petit spectacle sur notre
comment ça s'appelle, sur notre pièce qui s'appelle Azimut décolonial, qui était créée en coopération avec l'OTMI Laboratoire et Martin Ambara. On a fait une présentation sur, avec quelques danses qu'on a créées dans notre pièce et on a parlé de notre processus de travail ensemble avec Ambara et Monsieur Ambara et tout l'OTMI. On a eu un gros processus de recherche avant d'aller sur la scène avec Azimut décolonial. La pièce est sur le colonialisme, surtout le colonialisme allemand en Afrique, mais aussi partout au monde, et les relations de pouvoir et comment ça se voit aujourd'hui dans notre monde post-colonial, néocolonial. Mon vœu pour le futur est que nos travaux peuvent être montrés sur des grandes scènes internationales, que plus de théâtres, plus de personnes s'intéressent pour des thèmes lourds comme ça et qu'on peut décoloniser ensemble les grandes institutions culturelles. Merci. Bouche qui parle, les bouches qui parlent, Yen Mama.